Il s'appelle David Nahr, il a 29 ans, habite Souffelweyersheim et s'apprête à disputer les Jeux paralympiques de Pékin, catégorie épaules et jetées en haltérophilie, moins de 60 kg. Pour sa rentrée, TVCS lui a rendu une petite visite dans son club de l'ASFA, l'association Strasbourg Handisport Passion Aventure. Ils sont 7 Alsaciens à tenter l'aventure, David Nahr en fait partie. Salut, c'est David Nahr de Souffelweyersheim, j'ai 29 ans. Et je vais participer aux Jeux paralympiques à Pékin du 6 au 18 septembre en haltérophilie. C'est un grand événement pour moi, donc j'espère que je vais faire bonne impression. Donc les minima dans ma catégorie pour y participer sont de 130 kg en moins de 60 kg. Mon record personnel, 157. Ça tourne autour des 200 pour la médaille d'or. Hein. Après, je ne sais pas du tout. J'ai été 15 fois champion de France au total. Donc, dans différentes catégories de poids, ça commence des moins de 48 jusqu'au moins de 67. 3 records de France, espoir. Et là, je suis en train d'essayer de travailler sur le record de France senior. Je suis pas loin, je suis à 2 kg près là maintenant. Moi je retiens les performances des sportifs les moins connus. C'est ça qui est bien dans le sport en général. Quoi. Parce qu'on parle des vedettes en général et les vedettes entre guillemets sont en échec on va dire. Et ce que je retiens également c'est quand même 40 médailles. Et 40 médailles c'est à peu près ce qu'ils souhaitaient et c'est un record au niveau de la France. L'objectif de la Fédé, c'est l'équipe de France, c'est 60 médailles et de se situer dans les 8 meilleures nations. Les Chinois. Ça sera les Chinois, ils sont dans toutes les catégories, ils sont forts. Quoi. Cette année, ils sont très très forts. Alors pour moi, le jour J, c'est le 11 septembre à 10h30, heure française. Merci, c'est gentil. Ah.